Du 113e anniversaire de naissance de ce Siyousagar Amgoulam, également marqué par une exposition de tableaux aujourd'hui sur les grilles du jardin botanique à Pamplemousse. Une initiative du Young Labour, l'aile jeune du Parti travailliste, qui vise à mettre en valeur les réalisations du père de la nation. Le Premier ministre, le docteur David Amgoulam, a encouragé ces jeunes à connaître l'histoire de Maurice, surtout la lutte pour l'indépendance du pays en 1968. Nous fêtons le 113e anniversaire de Siyousagar Amgoulam, le père de la nation. Nous sommes fiers aujourd'hui. Ici, nous faisons un painting, un street art, qui peut être 500 jeunes sortis de Pamplemousse, Calbas, Coirati, dans toutes les régions avoisinantes. Nous représentons les achievements de SSR. Cette initiative qu'il vient de voir aujourd'hui, là, c'est quelque chose qui lui amène sa touche au niveau de jeunes, de cette implication au niveau de la politique à Maurice. Et surtout au niveau du Young Labour en particulier. Je trouvais que c'est une bonne chose pour l'île Maurice qui est jeune, d'initier dans une activité ce genre-là. Et je trouvais qu'il avait bien prometteur. Et par rapport à ce qui aujourd'hui nous rend hommage au père de la nation. Les élèves du collège Merton à Pamplemousse étaient également devant le jardin botanique pour accueillir le docteur Navin Amgoulam. Cet établissement a aussi organisé un concours de peinture sur la vie de ce Siyousagar Amgoulam. L'hymne de l'indépendance du pays, l'éducation gratuite avec l'hymne de nuit, tout nous nécessaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Siyousagar Amgoulam. Voilà, pour réfléchir un peu sur valeurs comme étudiant, en représentant un dessin pour lui, voilà. Les thèmes de ces expositions de peinture s'orientent essentiellement aux contributions de Siyousagar Amgoulam à l'épanouissement de la société mauricienne. L'éducation et la santé gratuite et l'introduction de la pension de vieillesse, parmi tant d'autres.